Essayons de faire mieux. Ouais. On va se faire prendre trop. Cancre. Bon. Alors. Ouais. 5 planches. 4 carrés. Et un ascenseur. Ça sent le coup, là, il faut bloquer la limace. Un coup d'aspi. Et après, ça a-t-elle la bonne solution? Le coup de la planche pour bloquer le petit passage que le perso peut pas passer, mais que la limace peut passer. Donc, un petit peu. Voilà. Peut-être fait un peu trop vite. Voilà, je pense qu'il fallait peut-être prendre l'œuf avant et puis. Ouais, je pense. Parce qu'il galope un peu vite quand même. Il est nu. Je pensais avoir assez de temps pour le faire, mais. Un peu juste. Mais en même temps, ça l'a retardé. Alors, comme ça, ça me laisse plus de temps. Il va tomber. Oh là ah. C'est moi qui est tombé. Bon, allez, on va se reparti. Ah, comme quoi. Attends, je me prépare tout de suite en aspigo. Et je vais attendre qu'il se y ait. Ça rend dur. On y voilà. Pas oublier de se mettre ni trop en avant ni trop en arrière, sinon ça ne fonctionne pas. Faut bien se placer pour les carrés. Après il y a un système de planches à faire. Pouvoir passer ou... C'est le truc classique, il y a toujours une planche pour mettre des coups. Attends, change des, de... Des carrés. Ouais, je me mets en planche. Bah, mais... Dans quel ordre? Fais voir plus bas de la map. Ouais, mais l'échelle va pas jusqu'en bas apparemment. Bon, là, il y a encore un petit pépère en bas. Mais bon. Le dernier off, à mon avis, c'est peut-être celui qui est tout en bas à droite. Ouais. Bon, faut déjà procéder par ceux qui sont au milieu. Ça va être sympathique. Bon, on va déjà prendre cette petite planche là. Sans se casser la gueule, ce serait bien. T'as déjà ton idée en tête. Moi,
j'ai une petite ligne vague idée, mais bon, rien de sûr, parce que dans ce jeu-là, rien n'est joué d'avance. Bon, alors, ouais, j'ai tendance aussi à me ratatiner la tête assez rapidement. J'ai assuré le retour. Là, je mettrai un carré. Alors, faudra pas plutôt mettre une planche et après un carré pour mettre le carré au-dessus. Non, on passera plus à cause de la hauteur, je pense. Non, ce sera pile poil. Je ferai ça. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça empêche pas que tu faut quand même mettre la planche en haut. Ouais, après. Oui, bah, donc tu l'aurais fait tout de suite la planche, ça aurait été bon. T'aurais pas eu besoin de le faire en bas, quoi. Ah oui, tu mettais ta planche, tu jettes ton cube et tu passes le même que ce que tu viens de faire. Ouais, c'est vrai que ça a pu. Oui, j'aurais mis ma planche, j'aurais acheté mon cube, mais je sais pas s'il aurait pas été bloqué. Ah non, le carré, il est de même dimension. Enfin, ça a marché. C'est... voilà. C'est la pratique qui parle. Ça a marché, c'est ce qui compte. Bon, après, faut aller chercher les deux là-bas, au milieu. Bah, je mettrai les deux planches déjà. Tu vas chercher le l'œuf là. Après, faut monter. Pour remonter, je crois qu'on monte comme ça. Puis. Ouais, je prends deux carrés. Jette les carrés. Comme chez Rivard. Hop là. Ça a l'air compliqué. Bon bah. Ouais, disons que c'était un coup de bol aussi. Hein. Ouais, la speed, ouais, on sait jamais. On sait jamais, mais moi je vois une Mimaf, mais on sait jamais, hein. Là, je vois pas nettoyer la spire quand même. Il est un peu baveux l'histoire. Non, mais ce sont des aspis jetables. Et voilà. GG. Ouais. Bon, le prochain, j'ai pas dit qu'on... Que ça se passe aussi bien. On verra. Qui? C'est reparti pour un petit tour. Bon, alors, il y a quoi? Hop, il y a l'air d'avoir plusieurs niveaux déjà. Et il y a 8 offres. Ouais. On démarre au milieu. Au milieu, ça? Ah oui, d'accord. Ah, puis encore un truc déplaçant, peut-être. Ouais. Deux. Le truc, mais savoir quel sens il faut les déplacer. Allez, go, et on enchaîne. Ouais, on enchaîne. On est des pros, Une planche ou un carré à gauche. Bonne question. On est plus quoi en prenant l'œuf si tu on peut. Ah voilà, faut peut-être d'abord faire tomber la limace et après bloquer la limace. Avec une planche, ouais. Mais le problème c'est que si tu prends l'œuf, toi aussi t'es obligé de tomber dans le trou. Ouais non, c'est con ce que je dis. Mais je les prendrai en dernier alors. On fait déjà un petit truc. Et après. Ouais. Par contre ça revient à indéfini le pour se déplacer les. C'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que je fais? Je descends complètement pour voir. Ça on va le voir. On a deux carrés. Ouais. Bah. Je pense que c'est suffisant. Ouais. Parce que le carré, t'en auras besoin pour l'œuf suivant. Surtout que j'ai l'impression que ça va faire mon dernier.
là pour remonter t'es baisé. Et là tu fous ton carré, tu vas chercher tes deux œufs et puis après t'es baisé, tu peux plus remonter. ouais bah oui, cache-toi. Non mais là c'est baisé là. C'est vrai qu'on est trop près là. Bon, allez. Hop. Il faut commencer en haut. En fait. Ouais. Rembobinage. Donc, c'est reparti pour un rembobinage. Bon, voilà, je suis reparti au début. Ça au moins. Après, il faut peut-être qu'on démarre de l'autre côté. Hein, sur la... Ouais, c'est le truc en début. C'est vrai que ça m'intrigue un peu cette histoire. Surtout le trou à gauche. Ça m'intrigue aussi. Ça, de toute façon, il faudra obligatoirement le bouger. Parce que quand tu prendras l'œuf, faudra bien que tu sois pas pigé en tombant. Et ça, si... Et justement, si on se servait des petits carrés... Non, pardon. Non. Ah, le con. Mais pourquoi tu fais ça? Je suis suicidaire aujourd'hui. Ouais, parce que je voulais trouver une... Ou alors, faut commencer par en haut. Oui. Ouais, bon, ouais, on va essayer déjà par le haut. Hein. On a combien d'aspirateurs? On en a pas. Ouais, je pense ça, moi, je te dis... Déjà, là, descends pas, si tu prends l'œuf, t'es obligé de plonger, puis tu te piges dans le trou. Ouais. Donc il faut bah de toute façon il... C'est dommage parce que... Ah non, parce que lui il aurait pas été piégé. Il aurait pu descendre encore plus bas. Je pense qu'en mettant un carré... Si on met un carré... Après le... On va essayer. Mettre un carré là, pour voir. Là, encore le tableau de la mort. Non, parce qu'on met carré, on prend l'œuf, on redescend, on remonte aussitôt sur l'échelle. Ah ouais, c'est... Après, il va rester bloqué en bas, je pense. Oui, c'est pas ça. C'est peut-être en... Hop. Ouais, c'est un peu chaud comme histoire. Oui, mais c'est un peu... on peut prendre l'autre œuf aussi. Ouais. Après, il faut quoi faire quoi? Faut monter. Ouais. Ouf. Bon. on sait que maintenant il peut pas nous boucher là. Après, si tu le déplaces, voilà. Ouais, tu peux plus aller à droite quoi. Parce qu'il faut qu'il soit à la même hauteur pour pouvoir le redéplacer quoi. Là tu peux prendre ton œuf mais après t'es pas remonter. Oui mais il y a peut-être un système pour monter d'en bas. Ouais. On va faire la petite ellipse. Franchement je comprends pas là si je... Bon, je pense qu'on va... Bah, on va rembobiner hein, parce que je crois que je comprends. Parce que si on se descend, ça va faire comme tout à l'heure, on va être coincé. Ouais. Et on va. Moi j'aurais reculé encore un poil. Ouais, bah, carrément jusqu'à ce que tout le monde soit tout en haut là. À partir de ce moment là. Parce que je pense qu'il y a un système. Ah, tu penses qu'il y a un système? Wow. Mais lequel? Alors, ça c'est autre chose. Tu peux pas te prendre tout de là, tu te mets au bord comme ça, tu fous une planche là, après tu remontes, tu fais tomber
c'est un carré ou deux carrés, on prend l'œuf là. La planche va pas être assez longue. Elle va s'arrêter au niveau des carrés bleus. Oui, mais y a pas besoin de deux carrés. Ça va prendre un carré, il y a un carré sur la pierre et un autre carré. Je pense pas qu'il y ait un décalage. C'est-à-dire avance le perso, voilà. Enfin, est-ce que je suis sur la planche, ouais. Voilà, c'est pas assez haut. Il faut toujours un de... Voilà, c'est trop... Bon, ou alors c'est mon idée qui est mauvaise. Ouais, parce que là, ça va être trop haut. Tu vois, c'est joli, ça serait trop près. Joli, ça s'arrêtera au niveau des carrés bleus. Ouais, j'avais raison. C'est pareil, ces machins-là, il faut les déplacer. Attends, parce que... Quand tu me déplaces le machin, tu peux plus utiliser la chaîne. Sauf si tu utilises le transparent pour accéder à l'échelle de droite. Tu me dis qu'il faut prendre le bloc. Déjà deux planches pour penser. Non. Ah. Mon dieu. Et si à la place des deux planches, on met un carré. Ah bah. Ah ouais. Ouais. Bien vu. Donc. Une planche et un carré. De toute façon, ça bloque strictement rien puisque le carrefour il peut pas passer. Déjà un là. Ce qui est bien, c'est que tu pourras redéplacer la pierre pour réutiliser l'échelle. Déjà, on a débloqué un œuf. Comment en plus c'est à l'infini pour se déplacer, c'est bien. Ça ne dit pas comment faire pour le vermisseau là-haut. Tout à l'heure t'avais dit qu'il y a un carré, c'est quoi qui n'allait pas le carré? Bah... Ah oui, c'est parce qu'il se baladait comme ça. Donc nous, quand on tombe... Il reste combien de planches? Ah c'est bon, déplace-le pour le foutre en bas. Comme ça, la limace, elle va plus faire demi-tour, elle va aller tout droit puis tomber. Non, non. Voilà. Ensuite, il dépose un carré dans le cul-de-sac. Ah oui. Ouais, peut-être, ouais. Comme ça, dès que tu vas prendre l'œuf, tu tombes, tu prends l'échelle, puis la limace, ça va tomber aussi derrière toi, et puis elle va continuer sa route jusqu'à tomber en bas. Et en plus, toi, tu pourras ensuite remonter chercher le deuxième œuf. Je vais me tromper de... Oui, et elle va tomber, obligatoirement. Ouais, vas-y, va chercher le deuxième œuf. Attendez, on va regarder ce qu'elle va faire. Ah, mais elle va rester bloquée, là. Ouais. Et nous, non, comment on va... Non, mais va chercher d'abord ton œuf en haut. Ouais, non, j'étais en train de regarder le... ce qu'il allait faire le... Parce qu'une fois que tu l'as déplacé cette pierre là, c'est foutu, après tu peux plus faire rien sur d'autre. Ouais, enfin, mais ça ne... Et puis l'œuf du milieu. Bah
Bah elle est encore déplaçable hein, si tu descends l'échelle là, tu te colles, tu te déplaces. Ah ouais, mais après tu peux plus utiliser l'échelle. Ah si, en remettant une planche. Attends, je vais essayer un truc. Une planche. Si. Ah, il descendra peut-être pas aussi. Ouais, ouais, il y a mille qui gêne. Ce sera peut-être trop haut. Ah, ça faut, on a les astuces, on les a peut-être pas dedans. Non, bah, si. Non, on a pas dû faire les astuces dans le bon ordre. Parce qu'il n'y aurait pas ce carré là. Alors, il continue sa route, il continue à tomber. Ah oui, le carré, il aurait fallu le mettre après. Ça se trouve... On a mis le carré quand? Ce carré à quand? Bah, quand on a mis cette planche-là, pour faire tomber le carré, enfin, un truc comme ça, non? Non, c'est la planche, on s'en est servi pour se déplacer. Ah, le carré, on l'a posé, pour pouvoir descendre l'escalier. Alors qu'il aurait fallu qu'on aille en haut avant de descendre. S'occuper de la chenille. Attends, on va reculer, tu vas voir. Regarde. Hop. Je me rappelle déjà plus. Hein. Regarde. Quand on a posé le carré, on a été directement voir la chenille. Alors qu'il a fallu faire celle du bas. Faire la chenille après. Elle est pratiquement redémarré depuis le début. Hein. Moi je suis quasiment au début, oui. Tu vois, c'est là qu'on a posé le carré. Bon, on recommence au début. Bon. En gros, notre idée est bonne, sauf qu'il faut pas qu'on pose le carré tout de suite, il faut qu'on ne fasse tomber la chenille avant. On l'avait fait tout à l'heure et puis on... Donc, on fait ça. Je suis pas sur le bon pouvoir. Voilà. Ah, est-ce que tu pouvais plus utiliser... Ah, tu as déjà le carré à gauche. Non. Il faut qu'on dépose le carré. Là, avant. Je pense hein. Ah bah si sympa. Tu penses tout va bien. Mettre la planche. Ah non, je suis pas sur le bon, pardon. Encore. Ah. Ah, on remonte. Ouais. Ouais. Ah, mais ça va pas empêcher que... Bah, bloquer la limace et on sera toujours piégé pour foutre une planche par-dessus, quoi. Non, on a même plus besoin du carré. Ah mais la limace elle va tomber là. Parce que la limace elle va tomber là. Elle va tomber là. Et puis elle reste bloquée là. Oui mais nous on... Donc, on va mettre un carré pour qu'elle continue sa route là. Donc il faudrait que tu descendes là. Tu poses le carré. Tu remontes tout en haut. Tu prends cet œuf là. Tu remontes là et tu prends les deux autres. Donc il faut que je descende là. Ouais, après tu te mets sur les deux petits carrés de pierre. Tu jettes ton dernier carré là. C'est un peu trop près. Ah bah non, on pourra pas passer ici. Non, c'est bon, non, c'est bon quand même. Non, par contre. Ah. Et est-ce que si je fais ça. Ah, t'es bloqué.
Ah oh maman. Non. Bon. On est dessus. On est dessus parce que c'est juste une histoire de... Ah, en plus c'est pas pour rien qu'il y a un petit passage là. Il doit y avoir une solution pour que la lima ça tombe sans que nous on se trouve piégé. Moi je pense que ce qu'on a fait tard est bon. Il faut qu'on on déplace. Fois, on est emmerdé par le... par le tout bas. Ah oui, mais si tu veux chercher l'œuf, après je vais te coincer. Ah oui, c'est ce que je ne vais pas te dire. Donc, on est obligé de mettre un carré là. Pour descendre. Voilà, à la place du carré, il faut que... Si tu mets un deuxième carré, est-ce que ça va te bloquer pour passer à droite? Bon, bah déjà... par là quoi. Le problème c'est qu'à cause de la pierre elle va à gauche quoi. Voilà, on la déplace pas du bon sens. On s'amuse par là. Je vais prendre l'œuf d'en haut avant peut-être, avant d'avoir fait ça, ce que tu viens de faire à l'instant. Ah ouais, exact. C'est marrant quand il y a des tableaux qui sont super faciles et puis ensuite on bloque sur un truc à... voilà, c'est juste à la con. Les niveaux sont vraiment aléatoires. Ceux qui connaissent le truc, ils doivent bien rigoler. M'étonne. Mm-hmm.
Ouais. Bravo. Ouais, on va recommencer au début, on a Depuis le début, parce que là, il y a trop de trucs. Il y a trop. C'est depuis le début, c'est tout rembobiné, toi. Ah bah oui. Moi, je suis pas semblant. Voilà. Non, mais là, enfin, il est plus vite de manière. Bon. À mon avis, il faut peut-être d'abord se préoccuper dans le loft en bas. Et... Ouais, mais par quel moyen? Ah, merde. Bon, ça prouve qu'on peut pas descendre. Non. Cool. T'as trouvé ça tout seul? Je marche comme ça, ma pauvre Justette. Ouais, faut ça, peut-être ramasser l'œuf avant. Ouais, faut ramasser l'œuf avant. Mettre une planche, un carré. Ouais, c'est que quand on descend, faut pouvoir remonter. Faut mettre une planche, un carré, ça va nous faire un escalier pour pouvoir remonter. Comme il y a un trou. Ouais, après, même si on prend ça, comment on dépend. Bah, en remettant une planche et un carré. Mais non, tu peux pas ici, mettre une planche et un carré, tu peux pas. Ah, on va déjà faire. Ça. Merde. Je suis pas sur le bon. Ah merde. Ça marche beaucoup moins bien forcément. Ouais, je suis. Ah, je mets derrière l'œuf. Mettre une planche là. Essayer. Ah merde. Les machins se barrent. Déjà, c'est là, il remonte. Tu vas prendre l'œuf tout en bas, tu vas retourner en bas. Ouais. C'est bon pour un. J'aurais mis ma petite planche et j'aurais pu redéplacer ma pierre et là on était tranquille. Ah. Donc mon IP elle est pas aussi bête que ça finalement. C'est jusque là. Là faudra mettre la petite planche. Ah oui, mais si je mets la petite planche après. Ah moi je peux descendre, je peux toujours descendre, tu me diras. Hop. Alors, reviens se mettre au beurre, petite planche. Mon autre petite planche là. J'y crois aussi. Bon, là, faut bien un petit peu, parce que sinon ça va pas le faire. Là, hop. Là, déjà ça fait. Ah oui. Merci patron. Merci patron. Je déconne. Non. Il plaisante pas. Non. Bah. Voyons voir si mon cerveau. Là franchement, t'as pas du tout le choix de foutre un carré. Oui mais ça on s'en fout, parce qu'on a récupéré l'œuf du milieu, après il reste du bas. En espérant qu'on n'a pas tout utilisé à tort et à travers. Quand l'animas va tomber... Ou l'animas va tomber... Ouais, et alors, nous, il ne restera plus qu'à attraper la pierre. Hein. Go. Hop, on descend, on remonte. On attend. Et quand tu vas faire ta deuxième descente, t'intervalles. Calculer ton coup, hein, parce que t'as que un carré de. Voilà. Déjà, ce côté-là, c'est vide. Non, on n'a plus qu'à espérer que.
ça fait une planche, je fais 0,40. Ah, il y a une couille. Et pour prendre les deux derniers œufs, il y a un truc en trop. On dit mettre un carré de trop, quelque part. Bah, ce carré-là, ça se trouve, il est voisin de mon caplan, si tu mettais le carré entre les deux. Ouais, et puis garder une planche. Ouais, ça t'économise la planche qui te manque. Ouais. Ha-ha. Yes, l'a trouvé. Ha-ha. Oui, bah bon, en même temps... Bon, c'est un peu tordu comme... Mais c'est vrai que la planche, finalement, bon, elle servait à rien. Vu qu'après, on mettait celle du haut. Avec celle du haut, on jetait le carré, et puis c'était bon. Donc après, tu calcules vachement bien ta pierre. En fait, il faut plus descendre que tu ta pierre. Là, il n'y a pas besoin de planche en bas, finalement. Ouais, tu descends, mais juste tu le... poses tout sous ta pierre, là. Pour que ça fasse l'escalier. On descend aussi. Ah bah non, tu ne pourras pas remonter. Bah si, puisque ça fait escalier, descend. Moi j'aurais mis la bague bleue avant. Regarde, il ne pourra pas remonter. Mais ta pierre, c'est là. Là où il y a le tuyau. Peut-être, ouais. Ah. Oui. On s'est mis d'accord avant de rembobiner. Oui. Pour économiser la planche. Voilà. Fais ton escalier. Attends. Fais ton escalier. On fait un essai. Tiens, il fait pas. Oh, il monte pas. Non. Ah, regarde. Ah, c'est à cause du... De ta graisse, quoi. À quel endroit que la planche... C'est pas... Finalement, cette planche-là, elle est vraiment... Et si la planche, là, au lieu de la mettre en bas, comme on fait, on la mettait en haut. Ah. Au lieu de ça, là, là-haut, c'est comme ça. On cherche le point de glace. Bah parce que... Ah oui, mais attends, si on met une planche en haut, on est dans le mur. Ah, hier qu'on avait bon, c'est juste que... C'est une planche qui... Une planche. Ah. Ouais, et... Attends. Et au lieu de faire tomber la planche, on essaie de faire tomber la brique, pour s'en servir comme d'escalier. Mais une planche, avec la barre bleue de la brique qui va tomber là, ça va faire toc toc. Peut-être. Bon, je sais pas où il va s'arrêter. Bah d'accord. Je savais pas où il allait s'arrêter, mais bon. Bon. Tu restes là, toi. Je pense que... Donc... Ça marcherait. Ouais.
Bah j'ai gagné un carré. Alors, je crois que deux planches, t'en as qu'une. Bah j'ai un carré à la place. Espérons que ça suffira. Ah, faut se souvenir de du reste. Allô maman Bobo. Je crois que là c'est ce coup-ci. Oh mince, j'avais peut-être pas besoin de monter si haut. Oui. Une planche et un carré. Tout à l'heure on avait pas de planche. Il manquait un truc. Non, c'est pas les... Là c'est juste planche là. Là. Là, ça peut être que le carré, de toute façon on n'aura pas pu mettre une planche, regarde la hauteur. Bien vu. Et voilà. Ah, je vais pouvoir aller me coucher. Ah. Bon, GG. Bon, franchement là j'ai séché là sur ce coup là. GG. C'est au prochain.